Chaque année, le 1er mars, les Roumains célèbrent la fin de l'hiver et le début du printemps. Le martichor symbolise cette renaissance de la nature. Ce petit objet coloré, entouré d'un fil rouge et blanc, est offert en signe d'affection. C'est un cadeau que l'on fait aux amis, ou plutôt que les garçons offrent aux filles. À Bucarest, la capitale roumaine, le martichor est partout. Des marchés entiers lui sont dédiés, impossible de ne pas trouver le bon. Le martichor était auparavant considéré comme un talisman, une sorte de porte-bonheur. Aujourd'hui, c'est une marque d'amitié, d'amour ou de respect et un objet de mode urbain. La ville a récupéré une tradition rurale qu'elle a transformée de façon artistique. Ici, nous marquons encore l'arrivée du printemps, même si nous ne sommes plus aussi proches de la nature et des saisons qu'à la campagne. Très attachés à leur folklore, les Roumains prennent soin de transmettre cette tradition aux plus jeunes. Dans ce cabinet d'avocats du centre de Bucarest, par exemple, les enfants des employés s'appliquent à fabriquer leur propre martichor. C'est important qu'ils puissent offrir les martichoirs et qu'ils fabriquent. Notre enfant, par exemple, pensait qu'on ne pouvait que les acheter dans les magasins et il ne savait pas ce que cela représentait. Le martichor a évolué avec les générations. Il est aujourd'hui présent dans la mode grâce aux créateurs locaux. En ville ou à la campagne, cette tradition que l'on fête aussi en Bulgarie a ainsi de beaux jours devant elle.